Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail, votre magazine sur la course de montagne. Nous sommes à Dodane, à l'arrivée de la Cala, avant-dernière étape du Chalon Saint-Roland. Près de 1000 personnes ont participé à la course ou à la randonnée. On revit cette journée dans ce premier reportage. Un mois jour pour jour après le Grand Raid, la Cala est le premier gros rassemblement des coureurs pays depuis l'épreuve reine de la saison. Pour cette 8e édition, 900 d'entre eux se retrouvent au lever du soleil sur la place Festival de la Possession. 18,5 km pour seulement 1000 mètres de dénivelé. Comme la course du Géranium à une poignée de kilomètres de là, la Cala est un format court qui séduit, même si le profil de la course jusqu'à Dodane est entièrement ascendant. Moi j'aime bien quand ça monte, donc après bon... Faut faire à son rythme pour pas aller trop vite, pour pas se griller. Et normalement, ça devrait pouvoir le faire. J'aime bien la montée, alors ça va, mais on verra à la fin. J'espère que je mettrai moins de 3 heures. Ça monte un petit peu, donc on va partir doucement et puis ça devrait aller. Beau temps, belle marche, ça va être super. Pour étirer le peloton et éviter les embouteillages sur les parties étroites du sentier, la première partie de la course dans les rues de la Possession a été légèrement rallongée. 1,5 km de plus qui amène jusqu'à la grande ravine des Lataniers derrière l'école Évariste de Pargny. C'est ici que le sentier commence en serpentant dans un magnifique verger de manguiers, exactement à l'envers de l'itinéraire du Grand Raid. Au départ du sentier Cala qui a donné son nom à la course, le premier ravitaillement est stratégiquement positionné juste avant le début de la montée. Le rythme change, en marche rapide ou légère foulée, chacun cherche son allure pour aborder au mieux un terrain parfois accidenté. Ça va impeccable. Ouh, elle est dure, elle est dure. Ouais. Mais bon, notre petit lampe nous va arriver. Plus haut, les leaders filent. Eddy Narayanin, le favori local, fait sa course au coude à coude avec le Sillaosien Yannick Boyer. Vainqueur 2013 des deux courses de son cirque, la boucle et le cross du Piton des Neiges, Yannick Boyer fait une sortie remarquée sur une zone qu'il ne connaît pas. Chez les féminines, les écarts sont un peu plus conséquents. Fatima Ibon, spécialiste des formats courts, est en tête, suivie par Alexandra Klein et Estelle Carré. Derrière, le gros des troupes franchit la ravine Lamar, une portion quasi plate de la Cala dans laquelle les coureurs peuvent reprendre une bonne foulée, malgré un sol très caillouteux, à l'ombre des sous-bois. Courir, c'est un effort individuel, mais dans une course, chacun peut être amené à partager de nombreux instants avec d'autres coureurs. C'est aussi une expérience, un cumul de ressentis et de sensations que l'on ramène avec soi et dont on peut faire profiter les proches. Je cours pour la santé, pour ma mère, pour ma famille. Pour que ma famille n'est pas là pour m'accueillir là-bas, mais je cours pour eux. Je pense à la famille, je me dis quel dommage ils peuvent pas apprécier tout ça, cette nature, ces paysages. Une fois sorti de la ravine Lamar, le sentier de la Cala se remet à grimper. Pas de bouchons cette année, mais tout de même une file ininterrompue de coureurs qui se lissent tant bien que mal jusqu'au chemin Ratineau. Au même moment, mais beaucoup plus bas, c'est au tour des randonneurs de gravir les pentes de la Cala. Comme chaque année, ils sont plusieurs centaines à marcher sur les traces des coureurs à un rythme beaucoup plus contemplatif. La randonnée, c'est pas la course, c'est la découverte de la nature et c'est le plaisir. Aujourd'hui, on va dire troisième randonnée de ma vie. Donc, super contente d'avoir participé, on a une très belle vue. C'est joli, regardez derrière vous. Ah oui, c'est beau. Mais c'est tout ça là. Oui, on arrive. Passé le bitume du chemin Ratineau et le sentier Gaston, la grande partie des coureurs a déjà rejoint Plateau. C'est la fin de ce sentier difficile et exigeant. Le temps de traverser la route et les coureurs retrouvent un ravitaillement bien agréable. L'endroit, accessible en voiture, permet aux assistants, mais aussi au public, de venir les encourager.
habite à côté, ravitaillement, ils donnent. Et en plus, bon, ben voilà, c'est super. Hein. C'est une chance d'avoir être là et la course, il passe à côté là. Hein. Ah oui, ça, il faut. C'est une grosse chance. Au même moment où les premiers atteignent le stade de Dodane, Yannick Boyer a finalement fait la différence et remporte sa troisième grande course de l'année, une petite minute devant Eddy Narayana. Chez les femmes, Fatima Ibon a tenu bon et clôture la course en 2h06. Après plateau, les filaos indiquent que le sentier redevient roulant et facile. Même si c'est toujours en montée, les coureurs courageux peuvent donc se remettre à courir. La dernière partie du sentier, c'est l'ascension du Piton de Sucre, depuis lequel la vue se dégage à nouveau sur l'ouest. Le dernier ravitaillement clôture les ultimes efforts. C'est un petit peu la fin de la partie dure, on va dire, de la Calanes Café. Donc on a un bon petit ravitaillement là pour les coureurs et les randonneurs. Il ne reste plus qu'à basculer sur Dodane, deux derniers kilomètres et enfin le stade tend les bras aux coureurs. Une arrivée entourée de montagnes dans un village festif, de quoi clôturer en beauté cette matinée de course. Entre 2 et 4 heures de course en moyenne auront été nécessaires aux coureurs pour venir à bout de la Cala. Retour à Dodane, Lucas Garcia nous a rejoint. Bonjour Lucas. Salut Cyril. Alors Lucas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Challenge Saint-Roland après cette avant-dernière étape? Eh ben, on vient d'assister à la victoire d'un coureur bien connu sur le Challenge, le jeune Yannick Boyer de Cilaos, qui gagne sa troisième étape du Challenge. C'est assez énorme. Il avait gagné le cross du Piton des Neiges, la boucle du Piton des Neiges, donc jusqu'à maintenant il n'avait gagné que chez lui dans son cirque. Il gagne aujourd'hui à l'extérieur, c'est bien une belle performance. Pas de quoi quand même inquiéter Gilles Céphisté qui file tranquillement vers une troisième victoire. Par contre, chez les femmes, il va y avoir une belle bagarre, c'est ça? Ah, grosse bagarre. Estelle Carré était deuxième jusqu'à maintenant derrière Hélène Hegel. Elle devait pas courir cette cala, elle s'est décidée au tout dernier moment, elle s'est inscrite ces derniers jours. Finalement, elle termine troisième aujourd'hui, donc elle va faire une belle opération comptable. Elle reste dans le coup pour la victoire finale et ça promet une belle bagarre lors de la dernière étape. On a bien vu, du côté des femmes, la grande finale, c'est la Transémitil le 1er décembre prochain à l'entre-deux. Mais d'ici la fin du mois de décembre, il y aura d'autres courses. On voit ça tout de suite dans l'agenda du mois. Juste après le Grand Raid, des courses, il y en a un peu moins et elles sont un peu plus courtes. Cela ne nous a pas empêché d'aller jeter un œil à la plaine des Grègues, au Trail du Curcuma. Dimanche 10 novembre, près de 250 coureurs se sont retrouvés au stade Raphaël Babé de Saint-Joseph pour la deuxième édition du Trail du Curcuma. Km et 1300 mètres de dénivelé qui emmènent les coureurs jusqu'à la plaine des Grègues pour découvrir la boucle des Margosiers et ses 1000 marches. La course de format court a attiré les spécialistes de la discipline. Juanito Lebon, habitué des podiums sur le Géranium, la boucle du bassin vital ou la Transdimitil a une fois de plus survolé la course en remportant l'épreuve en 2h10. 10 minutes devant le jeune Nicolas Ouarraud et un autre local très présent cette saison sur les courses, Jean-Louis Robert. Chez les femmes, Anne-Cécile Delchini a tout gagné cette année. Les championnats de 10 km sur piste, de course de montagne au Géranium, de trail au Colorado. Une fois encore, c'est elle qui franchit la ligne d'arrivée la première en 2h45, un quart d'heure plus tôt qu'Isabelle Le Breton. Les autres coureurs ont continué d'arriver tout au long de la matinée sur le champ de foire de la plaine des Grègues, au beau milieu de la fête du safran, un clin d'œil à l'ancien nom de l'épreuve, la course safran. Plus de 800 km de sentiers balisés, La Réunion, c'est un véritable terrain de jeu pour tous les amoureux des courses de montagne. L'un des principaux acteurs de ce développement, c'est l'ONF. On découvre leur mission dans l'envers du trail.
Un trait blanc sur un trait rouge pour les chemins de grande randonnée, un trait jaune pour ceux de petite randonnée ou les sentiers forestiers. Tous les coureurs connaissent ce balisage labellisé par la Fédération de randonnée pédestre que l'on retrouve partout en montagne. Ces nombreux sentiers, près de 1000 km, sont entretenus par l'ONF pour le compte du Conseil Général. L'ONF gère un territoire qui s'appelle un territoire départemental domanial qui se situe plutôt dans les hauts. Nous, nous gérons une partie des sentiers de la Réunion et une partie importante où se concentrent beaucoup de pratiques de randonnée et de course et où se concentrent aussi beaucoup de gîtes. Il existe aussi d'autres sentiers, plusieurs centaines de kilomètres, en général dans les bas, qui n'entrent pas dans le domaine départemental domanial. Ce sont des sentiers communaux ou privés, très souvent empruntés par les courses. Comme le parcours de la Cala, intégralement en dehors du territoire géré par l'ONF. C'est aussi le cas pour une grande partie du Grand Raid, surtout avec le changement de lieu de départ. La modification du parcours cette année du Grand Raid avec le départ de Saint-Pierre a entraîné une diminution de la longueur de kilométrage entretenue par l'ONF. Cette année, nous avions 52% du parcours du Grand Raid géré par l'ONF. L'année dernière, nous étions à 80%. Mais ça montre bien qu'avec le départ de Saint-Pierre jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix, on était sur un territoire privé ou communal où nous ne travaillons pas. Sur le domaine départemental domanial géré par l'ONF, la grande partie des sentiers est inscrite dans le PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, initié en 2006 par le Conseil Général. 960 km de sentiers sont concernés. L'outil du PDIPR, c'est une sélection. Ce n'est pas tous les sentiers qui existent dans le domaine départemental domanial, mais c'est une grande partie qui permettent de faire fonctionner tout un réseau et sur lesquels on a l'engagement de la collectivité départementale d'un financement pour assurer la pérennité de ces itinéraires. Reste près de 140 km de sentiers qui ne font pas partie du PDIPR, comme celui de la Fenêtre jusqu'à Ilette-à-Guillaume ou celui du Fonds Mafate à Cap-Noir. Souvent parce que des éboulis ont provoqué leur fermeture et qu'il est difficile de les sécuriser à nouveau. Lorsqu'on remet en service un sentier, il faut être en mesure de l'entretenir. Et comme l'exemple de Fonds Mafate est un sentier sujet à éboulement, et lorsqu'on voit les falaises, les remparts au-dessus qui sont très fragiles, on se pose la question d'aller dépenser 300 000, 400 000, 500 000 euros pour le remettre en état, le sécuriser, en ayant peut-être la menace de voir ces travaux disparaître lors d'une période de forte pluie suivante ou d'un cyclone. Le choix de sentier ne manque donc pas pour pratiquer la course. Alors, à vos baskets! Chaque mois, Tout Trail, ce sera aussi des conseils à l'attention de tous les coureurs, mais aussi de ceux qui désiraient découvrir cet univers. Julien Chaurier, le double vainqueur du Grand Raid 2009 et 2011, était à La Réunion le mois dernier. L'occasion de discuter technique avec lui sur l'un des points clés de la course, l'hydratation. Julien Chaurier, spécialiste de l'ultra-trail, je vais vous parler de l'hydratation. Le premier point avant la course, il faut être très vigilant de ne pas boire trop, parce que de partir avec le ventre gonflé, ça peut être plus que préjudiciable. Donc il faut faire attention, parce que si on a tendance à stresser et à boire de l'eau pour se dire qu'il me faut de l'eau parce que je vais courir, essayer de se limiter sur la dernière heure avant la course. Ce que j'essaye de faire, c'est de boire le plus tôt possible et le plus régulièrement possible. 2 minutes avant le départ, boire un petit coup et dès le premier quart d'heure, recommencer à boire par petites gorgées. Voilà, et une petite gorgée régulièrement. Et après, partir sur une moyenne qui varie aux alentours des 0,5 litres de boisson par heure. Moi, sur toutes les courses que je fais, je ne bois quasiment pas d'eau. Donc je fonctionne en permanence avec une boisson énergétique qui permet en plus de rendre l'hydratation plus efficace, d'assimiler plus facilement l'eau que si je buvais que de l'eau. La difficulté, si on boit vraiment que de l'eau, c'est qu'on peut se perdre énormément de sels minéraux et autres. C'est vrai que certaines personnes ont l'habitude de prendre un peu de sel, une pincée de sel sur des ravitaillements, mais maintenant, à l'heure actuelle, il existe plusieurs marques et de boissons de l'effort qui sont faites pour compenser ces pertes. Et en plus, à côté de ça, ça va impacter sur un autre paramètre qui n'est pas le sujet du jour, qui est l'alimentation. Parce que l'hydratation peut être liée à l'alimentation, parce que si la boisson est sucrée, elle peut apporter plein de choses qui permettent de limiter les apports alimentaires à côté. Ça peut être un petit bidon à la main ou dans la poche du short, voilà, pour des courses pas trop longues, des conditions pas trop chaudes.
Et ensuite, quand on commence à devoir porter un peu plus d'eau, il y a les porte-bidons. Donc les porte-bidons simples ou doubles, on peut arriver d'un demi-litre à un litre d'eau. Et ensuite, sur du long, on arrive au sac à dos, aux poches à eau ou aux bidons sur l'avant. Moi, j'ai pris l'habitude de courir avec des bidons sur l'avant du sac pour plusieurs raisons. Par rapport à une poche à eau, la première, c'est la facilité de les re-remplir à un ravitaillement. Et le deuxième avantage que je vois également, c'est la possibilité de quantifier l'eau qu'on consomme et l'eau qui nous reste. Parce qu'on a toujours le visuel sur le bidon. Et le troisième avantage de fonctionner avec deux bidons dissociés, pour les personnes qui ont du mal avec les boissons énergétiques ou autres, c'est de pouvoir mettre d'un côté que l'eau, de l'autre côté une boisson énergétique, d'avoir deux choses différentes. Pour moi, après l'effort, l'hydratation, c'est un point clé, parce qu'on a beau faire attention pendant toute la course, on tend vers une déshydratation. Donc, il faut essayer de boire de manière régulière et continue après la course. Et ensuite, il y a également des boissons de récupération qui sont faites par les marques de boissons de l'effort, qui elles aussi permettent de récupérer en apportant des compléments sur tout ce qui a pu être perdu par l'organisme. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes tous différents. Chacun a son approche de la diététique et de l'hydratation. Et le plus important, c'est de se faire plaisir et à la vôtre. Tout Trail, c'est aussi la découverte d'autres territoires. Début novembre, près de 150 Réunionnais ont participé au Trail de Rodrigue et ils en ont pris plein les yeux. On vous y emmène. Petit écrin de verdure entouré d'un immense lagon, Rodrigue a tout de l'île paradisiaque. À seulement 560 km à l'est de Maurice, elle est pourtant bien moins connue que sa grande sœur. Et c'est sans doute ce qui lui confère son charme. Loin d'être envahie de touristes, l'île est une ode au calme et à la tranquillité. La plus vieille des trois sœurs des Mascareignes a subi les ravages du temps et de l'érosion. Ses reliefs sont plus doux. La montagne à Rodrigue, c'est une succession de ravines peu profondes et de collines ne dépassant jamais les 400 mètres d'altitude. De partout, la mer est visible. Sur les pentes riches en terre et recouvertes d'herbes, de jolies cases sont éparpillées çà et là sans clôture. Un véritable Éden pour le trail dans un décor de réunion longtemps. Moi, ce qui me manque, c'est que je retrouve la Réunion longtemps, il y a une trentaine d'années, avec les animaux dans les cours, partout, et ça vraiment, ça me manque. On court parmi, là, il y a les cabris, les vaches, c'est trop beau. C'est beau, ça me rappelle vraiment le temps où j'étais petite, où tout était dehors, on était libre. C'est dans ce décor idyllique qu'est organisé depuis 3 ans le Trail de Rodrigue, un événement sportif et touristique tourné vers l'international et décliné en 3 formats. Des courses découvertes de 5 et 10 km avec les trails de la tortue et du solitaire, et la course principale, le Trail du perroquet long de 38 km et qui traverse l'île d'est en ouest. 20 fois plus petite que la Réunion, Rodrigue ne mesure en effet que 18 km de long sur 8 de large. Participer à cette course est donc un moyen fantastique de visiter l'île. Je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de découvrir cette île qui, quelque part, réserve beaucoup de surprises. Le dépaysement commence dès le départ du Trail du Perroquet organisé à la Pointe Coton, dans l'un des plus beaux hôtels de l'île. L'ambiance est décontractée, beaucoup de gens se connaissent déjà. Sur les 200 participants, la moitié sont des Réunionnais venus en club ou en groupe. Il y a aussi des stars du Trail métropolitain comme Émilie Lecomte et Julien Chaurier, et quand même une quarantaine de coureurs locaux. Comme pour le Grand Raid en 2012, l'association Run Andy Move s'est lancé le défi de participer à la course en goélette. Un groupe d'une quarantaine de porteurs et d'une vingtaine de personnes autrement capables, composés à la fois de Réunionnais et de Rodriguais, s'élancent donc eux aussi depuis la plage, un quart d'heure avant les coureurs. Peu de courses peuvent se vanter d'effectuer un départ sur la plage. Dans l'euphorie des premières foulées sur le sable, les coureurs partent à l'assaut des sentiers Rodriguais.
Dès la première côte en direction de la Patate Théophile, les coureurs peuvent se rendre compte de la dimension ouverte de Rodrigue. Point de sentier véritable sur la colline, mais des traces qui donnent la direction à suivre. Chacun peut choisir son passage, doubler aisément la liberté à l'état sauvage. Devant, un contingent de leaders se détache, René-Paul Vitry, Julien Chaurier, le Mauricien Vichalitou, Fabrice Armand, vainqueur ex-aequo en 2011, et le jeune Rodrigue Liroflore sont partis pour se livrer une belle bataille. Malgré la douceur des paysages et le faible kilométrage, le trail de Rodrigue est une course exigeante. Quel que soit son rythme, la progression est difficile avec des passages techniques comme le franchissement de ravines parfois raides. C'est le canyoning à Rodrigue. Au début, moi j'étais un peu inquiet sur le côté, on va dire, sportif, sur le trail, en disant une petite île comme ça va être tout plat, ça va être roulant et pas intéressant. Mais ils ont réussi à mettre en place un parcours très accidenté et technique, et où on se régale, quoi, avec des vues en plus qu'on a du mal à imaginer quand on n'est pas venu ici. Mais la principale difficulté, c'est la chaleur. Peu d'ombre, peu d'air, un soleil rayonnant. On est loin de la fraîcheur des hauts. Le soleil de Rodrigue est plus chaud que celle de la Réunion. La chaleur, ça me tue. C'est dur, ça, c'est dur, c'est vraiment dur. Il fait super chaud. Ouais. Oh là là, vivement la fin. I would like to stay here. So, thank you ladies. Gros bisous. Et on finit pour le plaisir, on finit même s'il faut finir en rando, on finira en rando. Et puis, la caille est tellement chaleureuse à Rodrigue que... Ça, c'est... Je tiens à tirer un coup de chapeau, Rodrigue, parce que là, pour les gens qui débutent dans le trail, chapeau, hein, vous êtes super. Partout, au moindre carrefour, au bord des routes ou devant les cases, les Rodrigues sont en effet là pour encourager les coureurs. Plus encore qu'à La Réunion, des familles entières sortent de chez elles pour voir passer la course. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois qu'on voit la course en face de nous. Ben, on est vraiment heureux. Nous essayons d'impliquer la population, tout le monde, parce que nous pensons qu'un événement de cette taille, c'est qu'il faut qu'elle soit portée par la population d'abord. C'est notre satisfaction, c'est ce partage de culture, ce partage d'amitié qui fait que le trail de Rodrigue, pour moi, est vraiment l'Éden du trail. Même si participer à une course sur cette île peut sembler contradictoire, tant le temps semble s'arrêter une fois le pied posé sur son sol, même si l'accueil des gens donne envie de rester à leur côté plus longtemps, il faut bien aller au bout de l'effort. C'est dans le cadre original de la réserve de tortues géantes de la plaine Corail qu'a été installée la ligne d'arrivée. Et c'est finalement le Mauricien Vichalitou qui l'a franchi le premier. Devant les Réunionnais, Fabrice Armand et René-Paul Vitry. Les autres coureurs continuent d'arriver tout au long de la journée au milieu d'une foule nombreuse. Pour l'occasion, la réserve à tortues est ouverte et les coureurs comme les accompagnants peuvent en profiter pour prolonger la découverte touristique. La remise des prix ponctue une journée riche en sensations et en émotions. Les sourires en disent long, le charme de Rodrigue a agi et tous emporteront un bout de magie de l'île avec eux. Quelqu'un qui a jamais vu Rodrigue, oui, s'il faut venir. C'est pas comme Maurice, c'est pas comme à La Réunion. C'est différent. C'est magnifique, c'est vraiment, je conseille à tous les Réunionnais ou même les autres gens dans d'autres pays de venir faire cette course. Vraiment, c'est faut voir.
Tout Trail, c'est fini pour ce numéro. On vous retrouve le mois prochain pour clôturer ensemble la saison 2013 de course de montagne. À bientôt.